Irène, aujourd'hui je vous propose une petite séance de salutation au soleil. Avant de commencer, on va faire une petite préparation pour commencer. Ici, vous pouvez s'asseoir sur n'importe quelle position de méditation, Vajrasana ou un autre. Ici, comme vous voulez. Ici, je préfère rester en Vajrasana. Ici, inspirez. Placez la main, position claire, devant la poitrine. Et ici, on va faire la respiration Jai. Inspirez par le nez. Sentez l'air dans la gorge et quand vous allez souffler, vous devez sentir l'air contracter la gorge et faire sortir l'air. Comme ça. On porte le poids vers l'avant et vers l'arrière en respirant. Maintenant, on fait un cercle sur le poignet. Et maintenant, changez le sens. Et arrêtez ici au milieu. Et d'ici, on va commencer à travailler la force. Retournez. Montez sur les doigts et appuyez la main. Sur les doigts, appuyez la main. Continuez encore. Et ici, on change. Dernière deux. Sur la place, on monte le talon gauche et on change droite, gauche et droite.
garder devant vous, entre votre main. Inspirez et marchez vers l'avant. Restez. Respirez. Inspirez, regardez devant vous, gardez le dos droit. Et Namaskar Mudra. Maintenant, on va commencer avec la salutation au soleil. Namaskar Mudra. Inspirez. Ashta Ushtanasana. Respirez. Restez. Soufflez pieds vers l'avant. Restez. Restez ici. Inspirez, portez la jambe droite arrière et placez le genou par terre, la main côté des genoux. Regardez devant vous, restez, respirez. Soulevez le genou droit, portez la jambe gauche et on reste en Chaturanga. Respirez. Placez le genou par terre, ici, soufflez, inspirez, restez. Très important, la position des épaules, par ici, vous devez pousser. Restez. Une autre chose importante, position des pieds ensemble. Respire. Chien tête en bas. On reste avec les genoux pliés. On regarde entre nos mains. On respire. Et la jambe droite. Et portez large. Restez. Autre chose importante, la position du genou par rapport à cheville. Genou sur la cheville et on place les mains côté de la jambe droite. On respire. Soulevez les genoux gauche et portez d'avant. Restez. Inspirez. Une fois, Namaskara, Ashta Ustanasana, on reste, Padmasana, Asva Sanchalana, et on reste. Chaturanga Dandasana. On reste. On respire. Respirez. Épaules sur le poignet. Joignez les talons. Restez. Pas laisser tomber la fesse comme ça.
Il faut être bien droit ici. Placez le genou par terre. Ici. Pliez le coude et placez le menton, la poitrine sur le tapis. Astanga Namaskar, ça veut dire huit parts du corps que touche par terre. Upasvatasana, respirez. La jambe droite haut. Pliez le genou, portez et placez ici. Restez. Portez vers l'avant, Parashtasana, montez, Ashtanga, et Namaskar Mudra. Encore une fois, Ashtanga, Parashtasana. Asana Sanchalana. Chaturanga Dandasana. Astanga Namaskar. Bhujangasana. Parshvatasana. Portez la jambe droite haut et portez vers l'avant. Asvasanchalana. Soulevez les genoux, portez vers l'avant, restez, inspirez. Namaskar Mudra. Ashtanga. Parashtasana. Parashvasanchalana. On reste, on respire. N'oubliez pas, on respire par les nez. Et on expire par le nez. Soulevez le genou droit. Portez la jambe gauche arrière. On fait Chaturanga Dandasana. Joignez le talon. Regardez devant vous. Poussez bien haut. Votre corps, sans exagérer, restez, respirez.
Placez les genoux par terre. Inspirez. Hasta Namaste. Restez. Bhujangasana. Restez, respirez. Vajradasana. Respirez. Regardez entre vos mains. La jambe droite monte, pliez le genou droit, portez l'avant et placez. Restez, respirez, respirez. Soulevez la jambe gauche, portez l'avant, Padasthasana, restez, restez, et doucement, Ashtanasana, et Namaste. Et d'ici, allongez-vous sur le dos. Gardez les yeux fermés, jambes bras écartés et concentrez sur votre respiration. Aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous aimez.